Yo les fighters et bienvenue sur la chaîne Boo Fighters. J'aimerais vous parler d'un personnage sous-estimé, bien que potentiellement le plus puissant de tout Hunter x Hunter. J'ai nommé Knuckles et sa technique de la banqueroute, qui consiste à prêter de l'aura dès sa première frappe. Alors dit comme ça, ça a pas l'air très impressionnant, mais le souci c'est que le taux d'intérêt est exorbitant. Il grimpe de 10% toutes les 10 secondes. Si tu ne t'en acquittes pas rapidement, tu seras insolvable. Et tu seras en état de Z sous-permanent. En d'autres termes, tu ne seras plus en mesure d'utiliser ton N. Mais vu la tête que tu tires, t'aurais bien besoin d'explications. Sa technique de la banqueroute est basée sur les suites arithmético-géométriques, utilisées notamment par les banquiers. Mais de telles suites ont un effet pervers. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Plus de dettes entraîne plus de pénalités de retard. En effet, plus tu as de dettes, et plus tu as d'intérêts. Intérêts qui se cumulent à ta dette et la fait grandir, et ainsi de suite. L'attaque de Knuckles a des dégâts équivalents à une suite géométrique de premier terme 280 et de raison 1,1. Et vu apparemment les maths ne font pas partie de tes points forts, peu importe. Une telle suite est dite divergente, c'est-à-dire que Knuckles peut potentiellement faire des dégâts infinis. Pire encore, elle a une croissance exponentielle, ce qui signifie qu'il ne lui faudra pas beaucoup plus de temps pour battre un Gon à 21 500 unités que pour battre un Youpi à 700 000 unités, ou même pire, un Meruem à plus de 2 millions d'unités. Donc supposons que Knuckles met un coup de 280 unités d'aura. 10 secondes plus tard, 28 unités d'aura vont s'ajouter à cette dette, ce qui la fera passer à 308. Mais cette fois-ci, la dette sera plus importante. Pire encore, au bout de seulement 7 minutes et 40 secondes, la dette sera suffisante pour battre un ennemi tel que Gon. Et seulement 2 minutes plus tard, cette dette aura déjà triplé. Au bout de 13 minutes 50, elle atteint même plus de 700 000 unités d'aura, suffisant pour battre un ennemi tel que Youpi. Et au bout de 15 minutes et 40 secondes, la dette dépasse même les 2 millions d'unités d'aura, suffisant pour battre Meruem. Si on va plus loin, au bout de 19 minutes et 40 secondes, la dette dépasserait les 20 millions d'unités d'aura, suffisant pour battre un personnage 10 fois plus fort que Meruem. Et si on pousse le vice un peu plus loin, au bout de 23 minutes et 40 secondes, on obtient plus de 200 millions d'unités d'aura, suffisant pour battre 10 fois la force d'un personnage tel que Meruem. La technique de la banqueroute additionne les dégâts infligés avec les intérêts calculés au prorata du temps écoulé depuis son activation. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, oui mais il ne faut pas qu'il se fasse toucher par son ennemi pendant 20 minutes. Ok, mais ce sans compter le fait que Knuckles et Meleoron s'étaient évidemment assurés avant la bataille de la possibilité de combiner le complice de Dieu et banqueroute. Tant que le complice de Dieu était activé, Podclean aussi était indétectable. Youpi ne le voyait donc pas. Et donc, si Knuckles et Meleoron attaquaient un adversaire en traître, sans même essayer de lui faire des dégâts, un coup inoffensif et indolore d'une seule unité suffirait pour que moins de 20 minutes plus tard, il soit victorieux à coup sûr. Et ça, l'auteur Yoshihiro Togashi l'a bien compris, au vu de ses nombreuses références aux mathématiques dans son œuvre, sur lequel je prépare d'autres vidéos. Dites-moi en commentaire pour vous quel est le personnage le plus fort de Hunter x Hunter. C'est vrai qu'il y a les Zodiacs, ce genre de choses. Moi, je vous dis à bientôt les fighters et tchuss. Le délai accordé est écoulé. Veuillez rembourser les intérêts. Le délai accordé est écoulé. Veuillez rembourser les intérêts.